Je suis très content. Depuis hier, j'étais en train de boomerang sur Internet, sur mon laptop. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment faire pour accepter une invitation. Parce que maintenant, vous savez, en tant qu'admin, quand tu veux accepter une invitation, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. La personne était tellement découragée. Moi, j'avais fait ça dans le passé. Dans le passé, j'avais pu accepter une invitation d'une page à une autre. Parce que parfois, quand nos pages sont un peu en bizarre, voilà, pour ceux qui créent le contenu, ils doivent savoir. Parfois, quand nos pages sont un peu en bizarre, nos pages sont restreintes, voilà, on peut jongler de page en page. Voilà. C'est un petit secret que je vous donne. Voilà. Certains admins vont dire ça. Voilà, ceux qui, les admins qui se font payer, là, ils vont vous dire que voilà, on peut jongler de page en page. Parce que quand une page est affectée, bien sûr que ça. Quand un compte, pardon, quand un compte est affecté, ça peut affecter ta page. Est-ce qu'on se comprend? Quand ton compte Facebook est affecté, la plupart du temps, ça affecte aussi les pages qui sont sur ce compte-là. Alright? Voilà, hier, il y a quelqu'un qui voulait que je l'aide à enlever une page sur un de son compte. Je vais vous montrer au fait dans une vidéo de quoi il s'agit. Parce que si vous n'avez pas eu ce problème-là, ou peut-être vous avez ce problème-là, vous ne savez pas, je vais vous montrer dans une autre vidéo. Mais je fais cette vidéo-là parce que je peux la faire. Et puis, je suis content aussi d'avoir pu réussir à faire voilà, ce petit boulot-là qui peut en principe coûter de l'argent. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment faire pour éviter de dépenser de l'argent de gauche à droite. Certains admins ne vont pas aimer ce que je suis en train de dire. Les gens qui travaillent sur nos pages souvent, là. Moi, je n'ai plus personne qui travaille sur mes pages. Dans le passé, j'ai eu à avoir besoin de certains frères. Voilà, la majorité était du Cameroun. Voilà, du Cameroun. Bon, deux frères seulement. Je n'ai pas eu recours à avoir beaucoup de personnes. Deux personnes du Cameroun. Un était un frère. Un était une connaissance qui était devenu quelqu'un de bizarre après. Mais voilà, je connais une personne qui était très bien, très gentille, camerounaise. Maintenant, un Ivoirien aussi qui est très gentil, il va se reconnaître. Le fort, c'est voir Babissoum. Ok, un Ivoirien aussi qui donne des coups, hein, voilà. Il donne des coups. Mais c'est facile ce que j'ai eu à faire. C'est juste si tu as un petit niveau, CP2, CE1, c'est clair que tu peux en faire. Voilà. Viens sur la toile, il ne faut pas partir pour suivre les choses, il ne faut pas t'éduquer. Je vais te montrer comment faire pour réaliser cela. Dans une prochaine vidéo, ça c'est une petite vidéo, un petit contenu, oui c'est ça on appelle contenu, un petit contenu que je viens de créer pour vous dire que oui, c'est faisable. Si tu veux enlever ta page sur un compte pour la mettre sur un autre compte, c'est faisable. C'est très difficile maintenant de voir où cette page-là, l'autorisation, l'invitation est, mais je vais te montrer dans la vidéo qui va suivre plus tard. Voilà, je vais faire cette vidéo-là plus tard, où tu peux voir cette invitation, elle est cachée maintenant. Maintenant, c'est caché, c'est pas pourquoi Facebook a fait ça. C'est défaut ça, on se voit dans une autre vidéo. Alright, take care, bye.